retrouve pour l'épisode 7, je crois, c'est ça, hein, 7. Ouais, des Ouais, contrats je pense que c'est ça. de pute, on va pas dire pute de jardin, parce que c'est un J, c'est pas un G. Mais Ouais, ouais. Donc l'épisode 7, toujours en compagnie du Belge Neski, salut à toi. salut à toi, salut tout le monde. Espérant que vous allez bien, hein. Moi perso ça va tranquille. Et toi Neski, comment vas-tu? Ça va, ça va. On retrouve Tranquille? l'été, le soleil arrive, donc c'est le pied. Ouais, c'est clair, il fait archi chaud là. Ouais. Bon, du coup, on est parti. Allez, nous on sait c'est quoi comme d'habitude, mais vous, vous allez le découvrir dans un instant. Et vous allez être encore, pour la majorité, déçus. Parce que c'est du matos médical à la con. Bon, allez, c'est parti, on va aller chercher cette merde là. Je te jure, un jour on va avoir que de ça quoi. Allez, allons chercher ça. Let's go. Let's get started. Ta gueule, secrétaire. Passe sous le bureau, fais pas chier. Sortir, voilà. Sur le toit. Donc ouais, ça fait un petit moment, bah, vous allez quand vous aurez cet épisode, ça fait un petit moment qu'on n'a pas tourné, ouais. Bah j'avais plein de trucs à faire, le soir je pouvais jouer, mais après, sans plus quoi. J'étais plus à fond dans l'euro. Ouais, c'est clair. Après l'euro, ce serait bien. D'ailleurs, en parlant de l'euro, hein, on a beaucoup de choses à dire, du coup. Ouais. Parce qu'on n'a pas tourné depuis. Bah, on a vu Bah, la depuis, Belgique c'était les quarts de perdre. finale. C'était les quarts de finale, hein. C'était le Ouais. jour. Pays de Galles, Belgique et tout. Ouais. Petite déception là pour les joueurs qui n'ont rien foutu ce jour-là. Ouais, j'avoue. Bah, d'ailleurs, hein, on parlait. Hein, d'ailleurs, moi, je... Après, j'ai vu un grand Pays de Galles ce jour-là, mais Ouais, ils étaient à fond j'ai vu dedans. une Belgique qui avait aucun répondant, quoi. Ils avaient des bonnes phases. Ah, le problème, en fait, moi, que j'ai vu pendant ce... Oh putain, faut se débarrasser de l'hélico. Il est où ce bâtard? Il se cache. Donc ouais, je disais, le problème c'est qu'en fait la Belgique, chaque première mi-temps, enfin la première mi-temps, 15-20 minutes, nickel, Mais ils ont ils étaient à fond, ouais. ils ont géré. Ils étaient là, mais comment? Faut dire aussi l'erreur du coach, hein, enfin du sélectionneur. Pourquoi? Parce que bah, la compo qu'il a mise, c'est déjà la compo sur laquelle on a perdu contre l'Italie. Donc pourquoi il a été à remettre ça en quart de finale? On Ouais, c'est teste pas ça. des compos pendant un tournoi, c'est déjà une chose. Et ensuite, ben ouais, on a perdu deux défenseurs. Un parce qu'il avait une carte jaune. Et le deuxième, ben il était blessé. Donc deux défenseurs, on va dire. Les deux Ah meilleurs mais défenseurs de l'équipe, ils étaient pas là, quoi. après le truc ils auraient pu faire mieux parce que quand on voyait à le début de chaque mi-temps ils faisaient des putains de trucs. Putain, il est barre loin les coups. Ils faisaient enfin ils jouaient bien la Belgique pendant les 15 premières minutes. Après ils faisaient plus rien. Après le début de la deuxième, pareil, 15 premières minutes, nickel. Ils montraient de l'envie, tu vois. Et après plus rien. Ah, il est trop loin le bâtard là, il a même pas le visé de là quoi. T'inquiète, je vais m'en charger, gros. J'ai appelé un petit collègue. J'en ai marre de courir après ce putain d'hélico. Mais ouais, hein, moi je pense que la Belgique ils auraient pu faire mieux. Ouais, ils auraient pu aller plus loin, je trouve, mais bon. Bah franchement, On s'ils passaient reviendra ce plus pays de fort en Galles. deux ans, hein, comme j'ai dit. Ouais, c'est ça. S'ils passaient ce pays de Galles, franchement. Ouais, je voyais pas le Portugal débattre, toi. Enfin, après, ça reste mon avis. Après, vous les gens, je sais pas. D'ailleurs, hein, dites-nous vous supportez qui? Parce que là, à l'heure où on tourne, ça va être les demi. Il y a déjà le Portugal qui s'est qualifié pour la finale. Dites-nous vous supportez qui? Soit Portugal, soit Allemagne, soit France. Vous voyez qui pour vous gagner cet Euro 2016? Moi je suis français, donc je reste français, tu vois.
beaucoup trop loin pour moi. Évidemment, tu l'as eu. Ouais, du coup, ouais, je vais devoir descendre d'ici, moi, ça va être chaud. Il meurt. Par contre, ouais, les voleurs, ça, ça va être casse-boule. Parce qu'ils courent partout, ces enfoirés. Ouais, t'inquiète, je descends la falaise avec ma 811. Donc ouais, je vous ai pas montré, enfin, je vous ai pas parlé de cette nouvelle voiture. C'est la 811, je sais plus quoi, trop quoi. Ah si, la Pfister, voilà, la Pfister 811. Ouais, Pfister, et maintenant, bon, à l'heure où on tourne là, il y a la 770, la debouchée 770 qui est sortie. Ouais. Bah, il l'avait tout à l'heure, mais je vous la montre. Ouais, ouais, je vous la montrerai au pire. Ouais. Je vais la rappeler après. Au prochain épisode. Bon, il y en a une qui sera au milieu de l'autoroute. What the fuck, c'était quoi ce vieux bug dégueulasse quoi. Bah non, il part où lui cet enculé. Oh non. T'inquiète, je m'occupe de l'autre, bon. Vous voyez, hein, des fois il y a des missions, hein, enfin ouais, des contrats comme ça. Donc vous, si vous êtes à... Ah là, vous allez vous dire, ouais, pourquoi vous avez pas pris un hélico? Après, nous, on n'est pas censé savoir qu'on va avoir affaire à un hélico. Voilà, exactement. Mais bon, ça met un peu plus de piment. Bon, je suis tout près de l'autre, je le zigouillais. Bah ouais, bah t'inquiète, j'arrive pour te donner un petit coup de main. Ah, tu l'as? C'est bon, il est devant toi. Ouais, ouais, juste des cailloux devant moi. Faut que je contourne ça. Voilà. Tiens, au pire. Qu'est-ce que tu fais, le malin? Voilà. C'est gentiment demandé. Ah, je crame. Voilà. Bon, du coup, au pire, dépôt, je te pourrais prendre l'hélico. Ouais. Ah, ok. Ça fait quand même long. On a vu qu'on a perdu pas mal de temps sur ce contrat à la con. On va pas prendre plus de temps au retour, quoi. Parce qu'on s'est quand même barré assez loin, quoi. Grave. Bah ouais, regarde, on est à l'aéroport. Regardez, je vous montre, on est quand même rendu là alors qu'on était là dès le départ, quoi. Il nous a quand même emmené loin, quoi, cet enculé. Enfin, 16 ans, enculé, nous. Il y avait que deux... Ah oui, c'est une deux caisses, oui. C'est l'habitude, en fait. En ce moment, on fait des trois caisses. Mais ouais, moi, comme j'ai dit, moi, je vois la France. Je sais pas pourquoi je vois la France faire un grand match contre l'Allemagne. C'est possible, hein. Exactement possible. Moi, je pensais que déjà de base ils auraient pas. Je pense que Müller est incertain et tout, tu vois. Donc, apparemment il sera là ce soir. Bah après, hein, surtout, ce qui va être le plus dur pour nous, c'est pas le fait, c'est pas les joueurs en fait de l'Allemagne. Certes, ils sont super bons, tu vois. Mais on a du potentiel aussi dans notre équipe, mais le plus dur à faire, ça va être leur gardien. Ça va être le gardien à... Comment dire? Pour essayer de lui mettre un but, à lui, ça va être chaud. Parce que tu as rien, hein, les Allemands, c'est eux qui ont la meilleure défense. Hein. Ils ont pas pris beaucoup de buts. Hein. Enfin, ils en ont même pas pris un seul. Ouais, je crois qu'ils ont pas pris un seul but, les Allemands. À part en pénalty, mais... Je crois qu'ils ont pas pris de but, sinon. Je sais pas du tout. Si vous le savez, hein, vous direz dans les commentaires. Je sais pas te dire... Attends, je regarde... Enfin, je sais que... Si, ils en ont pris un. Allez, cours. T'es sûr? Encore?
Bah non, je pense pas, hein, parce qu'ils ont été au pénalty avec l'Italie, il y avait 0-0. Ouais, donc s'ils étaient au penalty avec l'Italie, c'est que ils ont fait match nul, ils se sont pris qu'un but en fait. Ah non, bah non. Il y avait 0-0 quand ils ont été au pénalty. Non, c'était 1-1 Italie-Allemagne. Ah, c'était 1-1. Ouais. Ah ouais, Ah ouais, donc ils c'est ont pris ça. un but. Et franchement, un but, c'est pas énorme. Non. Pas du tout énorme. J'ai rappelé ma caisse. Il va me la mettre où? Ici. Allez. Ouais, c'est pas énorme, hein. Un but en je sais pas combien de matchs. Bah, sur le tournoi, ouais, non, c'est pas énorme, effectivement. Ouais, bah. Ouais, j'ai rappelé ma caisse aussi, comme ça, bah. Au moins, vous aurez vu. On a fait une petite. Oh putain. On a fait une petite phase d'hélico, quoi. Ah bah il est juste là au-dessus en fait mon véhicule. Pas rien dans le rappeler. Ouais, non, il te l'a ramené. Allez. On va aller chercher ça, on va aller voir ce qu'on a d'autre. Enfin, en prochaine. Comment dire? Prochaine livraison. Enfin, c'est pas vraiment une livraison. Prochain contrat. Le jour il est en train de se lever mais t'as vu il fait pas beau. Hein. Il y a plein de brouillard. Grave. Il y a du brouillard partout. Allez. On s'assoit. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Un petit changement, ça serait bien. Un petit truc qu'on n'a pas déjà fait. Ah, bah voilà. Dans 2 minutes 20, un truc qu'on n'a pas déjà fait, ça sera des lingots. Donc moi, je vous dis à toutes. Re tout le monde. Re tout le monde. Bon, on est parti. Deux caisses de lingots. Let's do this. On va aller chercher ça. Un truc qu'on n'a pas déjà fait. Du coup, on vous montrera la caisse une fois livrée. C'est des lingots d'argent en fait. Peu importe, c'est des lingots. Parce que ouais, quand on parle lingots, moi au tout début qu'on a fait ça, je croyais que c'était des lingots d'or et tout, mais en fait non, Ouais, c'est des des petits lingots. Bah, lingots. normalement, un lingot, c'est lingot, quoi. Il devrait préciser, quoi, parce qu'il y a plusieurs types de lingots. C'est ça. Allez, let's go. Wow, l'accident! J'ai eu un accident. Pareil. Je trouve que la débauchée, elle va bien quand même. C'est une sportive, elle va bien. Wow! Wow, comment t'as volé? Ah, les gens, ils vont se taper un de ces trucs quand ils vont regarder l'épisode, là, mon gars, ils vont. Et on va voir la chute de ouf que j'ai fait, gros. Et le pire, c'est que j'ai atterri sur mes roues, quoi. Oh non, putain. Je m'occupe de l'autre, là. Ah, Juste c'est des ici. voleurs, vas-y. Vas-y, je prends l'autre. C'est pas le traquifi. Voilà, un voleur en moins. Il m'a fait une belle trace rouge sur mon capot. Allez, on ramène tout ça à l'entrepôt. N'empêche, ça fait deux fois hein, qu'on se tape des voleurs. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais.
Bah ouais, tout à l'heure c'était pareil, on devait tuer des gars. Là c'est pareil. Ouais, mais sauf que tout à l'heure c'était un Valkyrie, là non, c'était. Ah Ils étaient déjà sur la route, enfin. ouais. Ouais, sauf que Bon, moi je veux ils ont dire, pas en gros encore ça allé fait deux fois que le. c'est. Ça fait deux fois qu'on a des mecs à buter pour récupérer des caisses. Non, mais genre. Le mec il s'est crash. Bah, je me suis dit ça passe et la voiture était trop large, elle passe pas. Allez, on ramène tout ça. Et voilà, c'est ramené. Bon, du coup, on va voir à quoi ça ressemble. Alors, où est-ce qu'ils sont, ces putes? Ils sont vers le haut, je pense. Je ne sais pas te dire, faut voir. Ça dépend de ce qu'il y a de la place en fait. Tu regardes les deux dernières, c'est. Attends. Ah, c'est là, les deux dernières, c'est en haut là, C'est les trucs mais c'est verts ici fermé. au-dessus. Non, c'est ici au-dessus, gros. Les trucs verts là. On voit les lingots Ah oui, d'argent tout là. au-dessus. Voilà. Ah, moi de l'autre côté, on voyait pas, c'était fermé. Ouais, vous voyez les lingots. C'est les C'est tout lingots en haut. d'argent. Ouais, il aurait pu les faire en or quand même, hein, ces enfoirés. Bah ça tombe, ils vont peut-être ajouter du contenu à ce niveau-là. Peut-être, hein, on verra bien, hein. On verra bien ce que ça donnera, quoi. Allez. Bon, celle-là était rapide, hein. Allons chercher cette nouvelle livraison. Pourquoi je dis tout le temps livraison alors que c'est un contrat? Ok, salut. Tu fais de la fumée avec tes pneus, hein. Enfoiré. Bah ouais, mais putain, le truc de Seymour là, il avance pas. Allez, nous sommes arrivés. De toute façon, hein, on verra bien si on a. J'espère qu'on aura un contrat spécial à un moment. Ouais, normalement, ouais. Histoire de leur montrer quoi, à quoi ça ressemble. Toute façon, dans tous les cas, si on n'en a pas un seul durant cette série, j'aurai tout le temps de leur montrer. Quand on en aura une, quoi, à part, quand on jouera à part, quoi, hors vidéo. Voilà, exactement, ouais. Alors, qu'allons-nous avoir pour cette dernière. Enfin, pour ce dernier contrat de cette vidéo? Un Dis-nous tout, contrat. vas-y. Un matériel médical ou autre? Allez, je dis un narcotique pour le Un fun. narcotique, tu dis? Eh ben, ça sera. Dans 2 minutes 30, du matériel médical. En plus, on ouvre avec ça et on referme avec ça, le truc de ouf. Voilà. On Donc moi je dis à aura plus quoi toutes. faire pour soigner. Ouais, Pour c'est soigner ça. les gens. Ouais, c'est grave ça en plus. Bon, du coup, à toutes les gens. Alors, tout le monde. Bonjour tout le monde. Allez, on est parti. On termine sur du matos médical. C'est parti. Here we go. On va aller chercher ça. Hein. Désolé hein, pour la diversité des contrats, mais c'est pas nous qui choisissons. C'est eux qui ont envie de nous casser les couilles et mettre du matos médical. C'est la vie. Allez. Est-ce qu'on va faire un perfect? Est-ce qu'on va encore avoir des voleurs? C'est parti. Allez, c'est parti. Et vous voyez, hein, c'est magique. Hein. On commence la vidéo en nuit, on termine en jour. C'est cool. Oh, j'ai failli me le bouffer, lui. Il a rien.
Il a rien compris. Je lui ai mis une de ses esquives. Allez, je sais pas. Oh putain. J'ai failli me le bouffer lui aussi. Ouais, ils Alors. font exprès les PNJ, c'est pas possible mon pote. Ouais, des fois ils font archi exprès ces bâtards. Surtout quand t'as. Je sais pas si t'as remarqué, surtout quand t'as les keufs. Il faut exprès de te barrer à la route, ces enculés. Mais ici, mec, j'étais en train de traverser, tu vois, et il a freiné en plein carrefour. À croire qu'il l'a fait exprès, le mec, il y avait personne devant lui, il freine devant le carrefour, en plein milieu du carrefour comme ça, avec son gros 4x4 de merde. C'est ça quoi. Je crois qu'il y aura des mecs à buter là. On verra bien. En tout cas, c'est bien la première fois qu'on vient par ici, tiens. Ouais. Non, y'a personne, je crois pas. Y'a personne. C'est encore fait voler. Utiliser Trackify. Oh non, putain, ça c'est chiant. On aurait eu des missions de merde pour cette vidéo. Ouais, cet épisode à la Schneck. De toute façon, on n'a pas le choix de sortir d'ici. J'ai ouvert le Trackify, hein. Tu t'occupes duquel là? Bah, je sais pas, j'attends déjà de voir. Je vais aller par là, moi. Vas-y, je vais à l'autre là, qui est par là. Celui qui est devant, quoi, en gros, on va dire. Ah ouais, t'inquiète, tu t'occupes de l'autre, moi je m'occupe de lui. Je sais pas par où je passe, mais j'y passe. Allez, on va aller chercher. Non. Tu l'as pas trouvé? Bah, j'étais déconnecté, le jeu a foiré, gros. Ah. Bon, bah, je vais devoir m'occuper de ces deux-là. J'espère que je me dirige vers le bon, quoi. Si je dois me diriger vers l'autre, je vais pas dans la merde. Une erreur à survivre. Bon, voilà, hein, premier bug, hein, ça arrive. Il est où ce bâtard? T'as pas bien qu'il est au-dessus quand même. Comment ça m'énerve, pareil. Hop, on est des barjots, on passe partout. Nous. Vous voyez où le petit kéké là? Eh, il se fout de ma gueule, il est en dessous. Il est là. Est-ce que c'est lui? Mais c'est facile à reconnaître, tu regardes dans son. Ah, c'est lui. Si tu vois une caisse de bois à travers le carreau, c'est que c'est lui d'office. On va prendre de l'avance. Oh, le bâtard! C'est pas arrêté. Bon bah du coup je vais devoir lui tirer dessus. C'est parti, j'arrive mon copain, tu vas crever. Va à droite l'enculé. Ah j'ai failli t'avoir. Voilà, il est mort. Ah, je suis revenu parmi toi. Gros.
Ok. J'ai pas compris pourquoi ça me met une erreur ainsi. C'est vraiment relou. Je vais te réinviter, même si c'est la fin. Ah, je peux pas. Je peux pas pendant la mission. Ouais. Bon. Je ramène la livraison. Encore, j'ai eu de la chance de me dire d'avoir été, enfin, me diriger vers le bon. Bah, moi, je voulais tranquille. Je me dirigeais vers, bah, vers le ah, et t'as eu une déco, quoi. Du téléphone. Et d'un coup, le jeu s'est arrêté net et bim, une erreur est survenue dans l'application. Ah, ok. Tu vas devoir faire un gros, une grosse coupure, toi. Dans ta vidéo. Allez, je ramène tout ça. Bon, c'était un épisode assez emmerdant, on va dire. Parce qu'on est tout le temps. À chaque fois, il y a toujours le matos médical pour nous casser les couilles. Attends, j'arrive. Mon truc, il est où? Attends, je sais où il est. Voilà, je suis là. Je suis à l'entrepôt. Attends, moi là, j'arrive. Voilà, vous voyez, hein, on a rempli presque cette rangée. Il nous reste assez de rangées là, celle-là. Puis il y en a encore au fond là-bas. Donc voilà. Je vais sortir d'ici. Hop! Eh ben. Du coup, je vais rappeler ma caisse, à moins qu'il me l'ait mis plus loin. Pas trop loin. Si elle est loin, elle est à perpète. Je rappelle ma caisse, histoire que vous la voyez pour une dernière fois avant la, avant la, avant qu'on se laisse. Vous voyez, c'est ça, ça c'est la nouvelle voiture, ça c'est la 7. La 770, la Deboshi. Ouais, c'est ça. Vous me verrez rouler, rouler avec au prochain épisode. Bon, il a pas l'air de vouloir me la ramener, cet enculé. Du coup, on s'en bat les couilles. Bon, sur ce, les gens, si vous avez aimé cet épisode assez répétitif au niveau du matos médical, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait plaisir. Commentez au sujet des questions qu'on vous a posées durant cet épisode. N'hésitez pas à me suivre, moi, sur Facebook, Twitter, et abonnez-vous autour, enfin, abonnez-vous, partagez autour de vous, puis voilà. Je laisse là le mot à Killer. Killer? Oui. De quoi? Je te laisse le mot de la fin, comme d'hab. Ah, bah moi c'est toujours enfoiré. À la même. Ouais, ça va, je suis là, t'inquiète, t'as pas besoin de me réveiller, on vient ici. ouais, bah moi c'est comme d'habitude, tout est dans la description, Twitter, Facebook, et si vous aimez, bah abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. Puis allez faire un tour sur sa chaîne, ça en vaut la peine. Voilà, sur ce, bah, je vous dis ciao et bye bye. Ouais, allez, à plus les gens, tchuss.